Et me voilà de retour sur Asanka. J'ai failli arrêter le stream, ça aurait été dommage. Pour, espérons-nous, vendre la drogue. Hein. Déjà, se remettre sur la radio. Oh putain, le chat. Hé, hey, je t'ai dit quoi? Oh, laisse ça. Ok, c'est bon. Ah bonjour tout le monde, sur le retour. Je crois que je suis tout seul. Ah bah non, je suis pas tout seul là. Ah car ça fait de beau. Ah ouais, ça fait pas mal là de faire. Ah, le CC, je crois qu'il a besoin d'être réparé. Voyons voir où elle est. Ah, elle a peut-être pris. Ah, mais il y a un yoga là en fait. Ah, ouais, mais c'est un yoga, c'est pas un yoga 4x4. C'est un yoga, c'est pas un yoga 4x4. Dommage. Bon deck plus. Regarde le pare-brise, on va le faire apparaître. Ouh! Ah, l'opé. Oula, ouais. Ah ouais, y'en a des bonhommes avec un dos là. Ah bonjour. Ah comment ça va pas? Ça va nickel, ouais. Voilà, en fait, y'a pas tant que ça, y'a surtout beaucoup de concitoyens qui sont encore garés là-bas de combat. Ouais, bah c'est ça, ouais, puis là il y en a un paquet, ouais. 1, 2, 3, Ouais, puis 4, ça tourne les 1. gens parce qu'il y en a déjà d'autres qui sont partis, ouais. Ah d'accord. Ah oh, bah il a arrêté de pchéter, c'est déjà ça. Ouais, bah lui il est réparé déjà. J'ai pas mal de custom à faire, j'ai des préparations de flotte. Il paraît qu'il n'y a pas eu de garage ces derniers temps, c'est normal. Ah bah depuis hier, il n'y avait pas de garage déjà. Je suis parti à 16h, après ça a paru fermé vers 22h. Ah bah non, bah non. Mais moi je peux pas éteindre toute la journée les gars, hein, je vous le dis. Hein. Je fais la Ignus après la custom parce qu'il attend déjà depuis 3 Ouais, mois, tu pas ça vois. c'est. On parle de cas, est-ce que tu vas coup de bas? Je prends pas trop, ouais, maintenant, ouais, t'es pas trop Ah bon ouais? là, ouais. Ok, d'accord, Mais, on pas ça et puis là, c'est. c'est des custom en plus, Ah ouais, tu non, vois. il y a que des custom, d'accord, ok. Ok, ouais. Ah, C'est bon, il est t'as tôt. ramené quoi? Bon, deck 2. Après, faut voir. Je crois qu'il y en a. Ouais, la voiture de jazz, la classique, qui a Bah besoin. ouais, ça, je crois qu'il y a des révoltants aussi. Ouais,
Ah bah t'en souhaites. Oh, ça te adorait tout ça. Ghost Rasta. Ouais, non. Non, c'est pour ça. On va attendre pas d'Ignus. C'est ça que je voulais. Merde. Ah, c'est relou, hein. Voilà. Ah, ils sont ouverts les EMS? Toujours pas. Ah, c'est compliqué là au niveau du garage des EMS, hein. Ah ouais, on va. On peut pas. Il va pas s'en sortir le fil, hein.
Quoi? Quoi? Bah, elle vient d'entamer la club avec sa moto? Ah bah oui. Et quoi? Mais wesh. Voilà, ouais. Allez, ouais, je vais m'acheter une Sanctus alors, hein. Voilà, on va le faire, c'est la première quoi, ouais. Voilà, elle a passé au elle a passé au le rester. Je crois. Ça a passé là des beaux jours, mais voilà, je crois le passer. Pourquoi un rusty? C'est pas un rusty, c'est Ah, c'est pas un rusty? punk. Ah ouais? Non, non. Ah, je crois que c'est un. Là, ces gens qui font des raccourcis, voiture rouillée, c'est des Bah non, rustys, mais bravo, je suis wesh. quasiment sûr d'avoir vu un rusty passer devant moi. Ah bonjour. Bon Je te fous après. la moquette! Ah bah Ouais, y a il une fallait bien une moto, ouais. Sanctus qui l'a défoncé, ouais. Ah ouais. Elle est solide la Sanctus. Non, c'est vrai. Ah ouais, vraiment. Alors, sur le côté, tu sais? Ah bah c'est une Sanctus. La Avec dorée et le bleue. crâne doré, ouais. Et puis les jantes bleues. Eh bah, tiens, la prochaine fois qu'elle vient chez le LOL, elle va prendre tarif. Putain, et on vient même pas le dire! Non, mais c'est. Ouais, je suis allé le dire à Phil, je savais pas qui il était, je savais pas que ça la tienne ça. Mais j'ai pas dit de venir de le dire. Elle percute, bah elle vient le dire. Bon C'est alors pas après, grave, il y a un mais moment bon. je l'ai pas vu faire un bond là sans plus quand elle est passée donc Ah bah te vois, et je sais pas elle même a qui peut-être pas t'arrête, elle était là. vraiment touché ta Bon, voiture à je 200 pense points de vue que quoi. ça a pas touché. Elle s'est quand même arrêtée au niveau de la pente là en se disant ah quoi, qu'est-ce que ça se passe? Elle peut Non aller mais repartir. d'accord, c'est une dinguerie. Bon bah, allez, bah j'ai réglé. Du coup je suis plus là, y a la moto qui va être faite, bah je m'occupe une Enfin bon, minute, ouais, c'est. t'aurais pu t'avertir quand même, parce que je Bah pensais ouais, de voir la bon. voiture voler. Bah ouais, je Ah, suis je pas pense, ouais. con. Mais elle a fait un sacré bon bordel. Ah bah ouais, elle était garée. Voilà, comme ça. Ouais, elle va être loin là-bas, ouais. Ouais, elle était garée là et pouf, à partir. Par lequel, l'Ignis ou l'autre? Oh bon, quand tu veux, peu Peu importe. importe. Ouais. Bah allez, je suis parti. Ah, je vais voir s'il y a des gens de l'autre côté du mur. Hop là, est-ce qu'il y a des gens? Oh, est-ce de l'autre côté du mur? Ah, ouais. Il y a des gens de l'autre côté du mur. Ah, bonjour, c'est. Pas peut-être pas, est-ce que vous voulez un petit peu de. Un petit peu de cocaïne? Ah oui ou non, de chez toi quoi. Ah bah non. Ah, ça aurait été comique ça. Les flex, t'as vu, ils font laisser pas vélo maintenant. Oh là là, terrible. Ouais, on va pas ça à nous seuls comme ça. Peut-être que vous en voiture et puis nous en vélo, ça sera peut-être équilibré. Oh, pas Je convaincu, sais. hein. D'ailleurs, Je suis pas sûr, mais il y a j'ai. encore votre Jiguler là dans mon garage, bien au chaud. Bah ouais, parce que ça pleurait parce que le Tenec 10 dont tu t'es tout véhicule. Quoi? Non, parce que vous avez oublié de la chercher à 23h, c'est tout. Ah bah non, c'est pas obligé, vu que c'est pas la bête, je peux pas la récupérer. Bah ouais.
Et on sait parce qu'on avait autre chose à faire que de déplacer au PDP. Oh non, d'ailleurs, on est venu au PDP, mais il n'y avait personne. Vers quelle heure? On était trop planqué. Il n'y avait pas assez de monde. Quelle heure? Oh, une bonne partie de la soirée, hein. Ouais, ça va être 23 h au minuit quand on est passé Au là. revoir, au Jusqu'à revoir. 1 h, il y avait quelqu'un. Au revoir. Elle va Ouais. avoir peur alors. Ah, la voilà la pose de réparation. Pas près d'un arbre. Non, non, une flotte. Ouais, près de flotte. Ouais. Ah, pas compris. Je viens pour une flotte. Ah, vous venez à vélo pour une flotte. Ouais. Ah. Une flotte de vélo? Ouais. Et comment il va, monsieur Couleur? Il va bien, il va bien. Il se porte bien. Ah, ça rappelle de ses émotions. Je sais pas, j'ai pas dormi avec lui. Moi je serais. Ce qui est bien, c'est que ce soir on aura les caisses remplies d'argent. Ouais, ça donne courage de le dire. Pas comme hier. Si, hier aussi on avait les caisses remplies d'argent. Oh, pas convaincu, hein. Oh, la terreur de l'aspect est revenu. C'est parti. Voilà, je sais pas porter que des Ah, bah, supporters. Marseille. Pas de quoi, chérie bleue. À plus tard. C'est revenu. Speedy est revenu. Il n'y a pas moyen de vendre là. Bon, c'est moche, je suis allé de l'autre côté du mur, je voulais vendre et. Il y avait Harper qui était de l'autre côté. Allez. Celle-là. Non, celle-là va bien. Ah putain, oui. Attends, c'est ça que je voulais regarder. Il vient de me faire penser à un truc. Dans le texte de loi, il me semble que seul le commissaire peut saisir les véhicules. Code de loi. Procédure pénale. Procédure pénale, ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors, non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Seul le gouvernement peut annuler une condamnation. On s'en fout. Toute peine d'accusation est mise en dehors de. On s'en fout. Toute personne est bonne dans le public est assermentée. Regarde, oui. Toutes les décisions doivent être prises par rapport aux documents applicables au moment des faits. Non. Et considérer comme preuve tout élément oral, physique ou visuel, non. Comme preuve, on s'en fout. Considérer comme preuve irrecevable, on s'en fout. Considérer comme garde à vue toute rétention de liberté de mouvement de tout citoyen ayant effectué tout acte nécessaire, c'est très blablabla, on s'en fout. Tout appel à l'insultant d'un garde à vue. Et considérer comme état d'arrestation tout bien, ok. Ah.
commence à se déplacer librement en dehors des zones nommées dans le code pénal. On va passer au regard du code pénal. Suivant le type de faute commise, ce droit est de 15-30, vous voyez. Voilà, l'omission du code pénal, tout acte... Déroulement et conduire comme délictueux, tout citoyen, non. Droit et devoir des... Voilà. Tout comme représentant des forces de l'ordre, ça on s'en fout. Tout représentant des forces de l'ordre ayant vu tout citoyen commettre une infraction au code pénal en la culpabilité du ou de la citoyenne comme légalement établi. Oui. Effectuer un con. Alors attends. Utiliser l'ensemble des moyens mis à disposition. Non. Toute représentation des forces de l'ordre est autorisée à effectuer un contrôle. Fouiller tout citoyen. Dans le gueule de guerre des rois Cromwell, à tout citoyen est mis en. Ok. Il est de l'autorité des représentants des forces de l'ordre de faire respecter l'ordre du code pénal. Oui. Faire respecter les droits de la liberté. On s'en fout. Ah. Il est de la responsabilité du ou de la commissaire des forces de l'ordre de transmettre toute infraction. Non. Il est du droit de demander la réalisation de tout document amenant l'esprit du par le corps. Ouais. Transmettre l'ensemble des parties de ses responsabilités. Non. L'état-major des forces de faire appliquer le code pénal et prendre le code de l'antiendance. Ouais. Qu'un prévenu ne puisse atteindre. Ouais. La responsabilité des représentants des forces de l'ordre d'appliquer les peines décidées par le gouvernement. Sans Dieu, l'ensemble de ces responsabilités. Ok. Mon capitaine vient. Pas écrit pour la saisie des véhicules. Code pénal. Ah ouais. Infraction routière, admettons. Continuez le permis. Les contraventions et délits pour excès de vitesse ou conduite sans permis sont cumulatifs avec d'autres délits crimes, oui. De conduite sans permis, le fait... Ouais, non. C'est chiant, ils disent rien sur la... la saisie de véhicule là-dedans. Attends-toi bien. Ah, peut-être sur le D8. Détention de biens illicites. Non. Atteindre à l'ordre public. Non. On refuse d'entempérer le fait de ne pas oublier un engin et maintenant d'un agent des forces de l'ordre. Ouais. Délit de fuite. Alors, de délit de fuite, le fait de fuir après avoir commis un délit volontairement ou involontairement, de ne pas s'arrêter, de tenter ainsi de s'échapper à la responsabilité pénale civile. Et ouais. Le fait de ne pas se soumettre à un contrôle. Ouais, une arrestation des forces de l'ordre. Ouais. Entre la justice. Le fait de proférer ou mettre des menaces d'attentat ou des actes de trahison. Non. Les biens sociaux,
Non, il n'y a rien d'écrit sur la saisie véhicule, tu vois, dans le code pénal. Ni dans le code de procédure pénale, c'est terrible ça. Après, on a le truc du gouvernement. Enquête. J'ai trouvé hein. Ouais. Fermer l'ensemble, c'est catégorie code pénal. Catégorie 1, toute arme par nature ou par destination utilisable. Ouais. Catégorie 3, catégorie C. Catégorie A, catégorie B. Bon, il n'y a rien d'écrit sur la saisie du véhicule. L'annexe. Oui.
Bon. La sultan de Just l'a réparé. Ah ouais? La sultan de Just l'a réparé. Ok, et ben je l'update. Oh. Ah ouais, c'est pas ce que je disais. C'est quand même dommage ça. Non, vraiment. Quel élo. Est-ce que c'est le roi Fel? Ah, pour voir. Ah ouais, c'est pas d'ailleurs. Cachera. Elle a pas cachera. Ouais, j'ai pas de numéro de cadeau, vraiment? Oh. Ah bah ouais. On va voir.
va quand même foutre la merde. T'es rouillé, non? Partie nulle. Je suis con, c'est pas Phil, c'est je sais pas comment il s'appelle. Le ch'temi. Comment il s'appelle d'ailleurs? Je fais n'importe quoi.
Oh là là. Je fais n'importe quoi sur les parties là. C'est affligeant. Quel est le restaurant? C'est joli le logo, je sais pas. Like. Excusez-moi, monsieur, c'est à qui le tour du coup? Je crois que c'est à moi. Vous levez, vous levez les bras, s'il vous plaît? Ouais. Ok, nickel. Ah, besoin d'être peut-être invasion, là, le moteur qui en rate peut-être. Tu serais pas dessus, c'est ça, de toute façon? Ouais, ouais, ouais. Checker tout ça, t'as pas de soucis. À Marseille.
voilà comme neuf. Ah bah Marseille. Y'a pas de soucis, bah je bonne après-midi. Ah bon, c'est... Merci beaucoup. Ah oui, si, faut que je ramène la... Faut que je ramène la vaudou aussi. Ça fera plus tard la volou. Ah ouais. Ah quand même. Absolument pas touché. Ah bon, on peut faire des sacs. Oh putain. Bon bah, ça le laisse pas le tour. Oh mais non, mais vraiment là. Je vais de la faire réparer en plus. C'est terrible. Je vais peut-être prendre avec deux pour monter là-haut, ça va être plus rapide. Ouais. C'est possible. Les yeux sont ouverts, j'ai pas vu. Ah, je rappelle le sac, après on va aller voir ça.
Pas que c'est long. Ah oui. Bah pourquoi j'ai mon casque? On va pas avoir un casque quoi. Oh là, y'a mon casque. Bon bah j'ai un casque hein. Ça pas me conduire. Oh ouais, au moins c'est radical. On n'en parle plus. Oui non, je ralentisse moi. Bon, tu me diras. Par là ça baisse. Sort pas là, je serai la suivante. Oui, si c'est ça.
Oui. Plus rien à voir, fait chier. Bon, bah on va d'abord retourner au quartier et après on va aller. Bon, on va pas aux MS. Je vais récupérer le manger, le boire. Non, récupérer à boire et à manger. Oh la tante merde. Minutes, ouais, bon, en gros, à 55, on se reconnecte. En gros, hop là, on fait ça, on fait ça. On se déconnecte. Et puis bah je ferai plus de pause. Je vous dis donc à tout à l'heure dans 10 minutes à peu près. De retour à 55. Tout à l'heure tout le monde, je coupe le stream, je laisse en pause comme ceci.
Et me voilà de retour. Hop là, on est parti. On est parti. Let's go. On se retire ça. On se remet sur la radio. Ah, je te rentre sur la radio. Ça va net. La classique de Charles. Trop rapide. C'est une petite Tetris. En attendant qu'il revienne. Ah bah je t'ai apporté pour faire des sacs, mais je crois qu'il n'y a pas envie de travailler pour l'instant. Je vais attendre un petit peu. Je sais pas si vous avez entendu. Ah non, je vais aller aux OBS pour... Ouais, bah j'ai vraiment un peu d'eau pour ce moment. Ok. C'est vrai, je vais aller aux OBS. Ouais, mais les OBS ça doit être pareil. C'est ça que je voulais faire moi.
Oh là là, mais je me déteste. Hein. Je fais n'importe quoi. C'est terrible. Allez. Bon, on va faire un petit tour de messe. Bon, le temps qu'elle décide à se bosser, je vais aller aux abesses. Hop là. Strike. Pendant ça, pourquoi j'aurais pas touché? Oh, trop de bord. Hop là, force à stack. Ah, bonjour. Oh, ça va. Oh, ouais, bah, y'a pas ça, là. Ah, dans ce côté-là. À part ça, là, plus. Elle est très nulle cette partie, hein, pensant. Ça, je suis en train de m'attraper. Pas dû le mettre là. Ça non plus.
Mal démarré. J'ai pas de doc pour l'instant. Hein. Je vais peut-être plutôt retourner voir Mathilde. Peut-être partir en inter. Ou alors c'est des policiers. Peut-être possible aussi. Zut. Bon, bah on va aller travailler, on peut avoir bah, un peu plus tard dans la journée s'il y a des EMS. Ouais, elle est tant défoncée que ça, hein, sur le côté.
Non, c'était pas là que j'allais, moi. Ah, c'est bon, on peut faire le sac, j'ai un camion. Ah ouais. On est à l'angle de Carson Avenue et Davis Avenue. Bon, on vient de démarrer, on passe entre les deux forums. Ça voudra dire que je devrais bombarder pour les échapper. Direct. Ah, là on est entre les deux forums, juste en dessous. Ah bah non, on vient de démarrer, on passe entre les deux forums. Ouais, vous où se placer, on va passer dans le dans l'allée principale. Oh, quoi que. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Là, il va bombarder, il va soigner le poteau en face là-bas. Hop là, il va tout droit. Comme d'habitude. Il va aller tout droit. Ah non.
Parfait. C'est un sac. Bon, je retourne par la Mathilde. T'as dit quoi? Alors, je retourne par la Mathilde.
Ça te botte. Oh putain. Et ça parle à temps. Ah, je change de voiture. Ah, je vais prendre l'Egdus. On va leur parler là-haut. Je prends l'Egdus, excuse-moi, mais bon. Oh, peut-être aller par le pas d'eau. Ah, peut-être que je fasse le plan quand même avant. Non, de ça, on va récupérer maintenant. Bon, le grand plat. Faudrait peut-être de prendre le sac et faire le plat après en fait. Ouais, pas mal, ouais. T'en es où? Ah bah là, je vais pas tarder à le récupérer.
Alors je la récupérerai. Pourquoi à chaque fois que je viens là j'ai le casque? Je comprends pas. Alors ça tombe en... Pas besoin de relever d'ailleurs. Ouh, mais sinon... On va voir ce que ça donne. Vas-y, ben, je vais faire un lancement après qu'il y avait pas le temps. J'ai rien compris. Ce que ça donne dans 67-25. Ah oui, alors attends, on va ressortir. Je les avais pas entendus derrière. Ah, c'est bon, ils sont là, on peut repartir.
vraiment vu là. J'ai aucune idée d'où je vais aller là. Je sais pas du tout où je vais aller. Je sais pas si on peut. Oh là là. C'est bon, on va sortir par là. Pas vraiment un véhicule fait pour rouler sur les voies ferrées, hein, vous savez, monsieur, bah, pour ça, hein. Oh bah moi c'est pour ça que quand je roule dans ce bas, je pensais pas être assez. Ah je roule en banlieue. Comme ça, ah, pas de problème. Ah! Mais là y'a un problème. Ah ouais non mais vraiment pour aller avec cette vitesse. On va gêner la circulation, monsieur. Ouais, monsieur, sorti du véhicule. Oh, mais ils sont sérieux, là. Allez, on sort du véhicule. Oh là là, terrible, hein. Ah, ouais. Ah. Très bien. Bonjour, oh non, encore lui. Ah non, moi je veux parler à loin derrière, là. Je vous demande d'enlever votre masque. Monsieur Banok. Ah bonjour monsieur que je connais pas, comment allez-vous? Vous avez pourquoi on vous arrête monsieur Banok? Ah genre la travette. Ouais. 196. Oh 140. Ouais dessus, 196. Ouais, 196 au lieu de 40. Oh au lieu de 40? Affirmatif. 140, pardon. Ah ouais bah désolé. Vous pouvez flasher. La Seniora Freeway. Eh oui. Et de la Sendora Freeway jusqu'à votre, alors, attendez. Votre QG, ben, je vous ai pris en chasse. Vous m'avez flashé, ouais exactement, ça c'est un freeway. Au niveau de l'échangeur. Ah ouais, alors il y en a beaucoup d'échangeurs. Hein. L'échangeur de Sendora Freeway, Sandy Shore. Ok, celui-là. Bah, ouais. Bah vous savez quoi? J'ai entendu vos gyrophares et des points quand je suis rentré dans le quartier. C'est extraordinaire ça quand même. Parce qu'on était à une plus grosse distance. C'est pour ça que je suis ressorti d'ailleurs. Oui, bah je me doute bien. Donc on va être clairement sur, sur ce fait là. Et si vous êtes sorti, si vous êtes sorti, pourquoi vous n'êtes pas juste arrêté au lieu de faire un délit de fuite? Ah bah parce que en fait, si vous voulez, la première fois où j'ai fait l'accès de vitesse, je me suis arrêté, j'ai perdu mon permis. On m'a saisi la voiture et qu'est-ce que. Eh bien, je vais dans la bande. La deuxième fois où j'ai fait avec cette vitesse, je me suis arrêté, j'étais gentil, on a mis la max. Donc là, bon, bah, je, oui, je bah me dis. C'est moi qui vous ai mis la max. Bah, quitte à avoir la max ou à skipper et tout, bah autant. Je vous ai mis la max parce que vous étiez à 180. Ouais, alors, elle était 23h30, voire midi. C'est une raison pour rouler okay, vite. Ok, bon, allez, mettez-moi la bande à la fêlée. Non, mais c'est des raisons pour rouler vite. En fait, à chaque fois, dès que vous roulez vite, la bonne raison c'est je vais aller me coucher ou j'avais pas le temps. Ah non, ce que là j'allais vraiment me coucher parce qu'elle était quasiment bédouée et qu'on n'a pas été très rentré. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas une raison pour aller vite quand même. Ah, vous pouvez ranger votre laser, j'ai pas l'intention de vous attaquer, hein. mais ça c'était pour votre propre sécurité vu que vous voulez pas descendre du véhicule. Parce que ça fait depuis environ 2 semaines qu'on prévient, qu'on dit arrêtez de rouler vite, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les autres citoyens. Mais à chaque fois vous faites la même erreur. Donc bah maintenant on amende. En amont pour les essais de vitesse. Comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, ben, vous allez comprendre que ben, les excès de vitesse, c'est pour tout le monde. Enfin, rouler à la bonne allure. Quoi. Ah, vous avez fallu? Oui, j'ai terminé. Ok. Et du coup, là, le délit de fuite. Je sais pas pourquoi vous êtes parti en fait. Surtout que c'est juste un excès de vitesse, quoi. Ah bah je vais le dire,
quête à être abordée peu nécessairement, autant que ce soit pour une bonne raison. Pourquoi vous considérez que une contravention pour excès de vitesse c'est pas une bonne raison? Ah, monsieur Banal. Ah, non, ça c'est. Oh non, alors, quête à être puni sévèrement, autant que ce soit pour une bonne raison. Hein. Là, je suis quand même curiosité au cas où, même si je vous connais. Pas envie de conduire surtout. Ah, hop là. C'est bien. Monsieur Sanka Banak. Okay. Collègue, tu peux vérifier le véhicule s'il te plaît? Ah, bah ça là-bas. Hein. Ah, comment que ça va, le collègue? Il a pas dit son nom, je crois. Bah demandez-lui, il va vous le dire. Pourquoi elle va dans la voiture? Bah pour vérifier la boîte à gants. Flec, t'en es où? Votre collègue, elle a disparu. Elle est rentrée dans le coffre? Ouais, peut-être il se cache, sauf que le coffre il est à l'avant, mais... Ah bah ouais. Caché. Ah, oh! Elle est là, c'est votre collègue? Ah ouais. Ah, donc pour... Oui, d'accord, ouais, donc je vais arrêter de parler. Ouais, non, c'est bon. Ah, je suis en train de discuter avec des agents de police. Et bonjour. Ah, bonjour. Ah, pas ça, c'est vous voulez choper. Oui, de base, ça partait d'un excès de vitesse et il a fait un délit. D'accord. Ah bah ouais, parce que la dernière fois je me suis arrêté gentiment comme j'ai dit, ils m'ont mis une amende, ils m'ont saisi le véhicule, ils m'ont retiré mon permis. Et la deuxième fois, je voulais juste rentrer chez moi rapidement parce que j'étais fatigué, j'étais quasiment bénoui. Ils m'ont mis la max. Donc je me dis, quitte. Et vous étiez au-dessus de la vitesse réglementée? Ah ouais, oui, ça je... Alors, ouais. Pourquoi vous plaignez? Ah non, c'est juste que maintenant que t'as à avoir une course à moi, d'autant que ce soit pas une bonne raison. Eh ben, un excès de vitesse au-dessus de la limite autorisée, plus de 60, c'est une bonne raison, je trouve. Non? Ouais. Pas sûr. Il y a des limites de vitesse, vous les respectez, pas de problème. Enfin, en fait, non, c'est pas tellement d'avoir l'amende le problème, c'est la sévérité de l'amende par rapport à la situation. Ok, ben moi je vous dis, la dernière fois que je l'ai mis la maximale, c'est que vous étiez à 184. Au lieu de? Au lieu de 140. Et je lui ai mis la max de entre 30 et 60 parce qu'il est plus près du 60 que du 30. S'il aurait été plus près du 30, bah j'aurais mis une amende en conséquence. C'est logique, non? Bon, là, je suis pas sûr, entre 30 et 60, c'est entre 500 et 1000. Que je regarde entre 30 et 60, entre 500 et 1000. Oui, bah oui, c'était sur une limite d'excès de vitesse ou pas? Ah non, non, non. Non? Ah non, non, non. Non? Bon, bah. Ah non, non. J'ai pas compris, redis. Elle a demandé si c'était sur une récidive d'excès de vitesse. Il n'y a pas de récidive sur les excès de vitesse. Oh. Oui, non, mais quand la personne se fait choper deux fois de suite sur, pour excès de vitesse, à un petit temps d'intervalle, c'est compréhensible qu'on mette une maximale. Oui, je suis d'accord avec ça. Ah donc là, ouais, quand je le disais, ouais. La maximale, c'est plus avec l'obtention. Ah bah voilà, la coopération. Merci, la coopération de l'individu arrêté. Voilà, donc ça y joue aussi. Donc c'est la TV2, il est quasiment bénoué, il va aller se coucher, il roule vite, certes, il entend le gyro, il s'arrête sur le bas côté avec un wagon qu'il aurait pu continuer sur le chemin de terre et qu'il pouvait pas suivre à la conquête. Est-ce que c'est des circonstances atténuantes? C'est être comparatif quand même, non? Oui, mais en fait, de mon point de vue, imaginons par contre c'est à 140 uh-huh. et que c'est vitesse de entre 30 et 60 uh-huh. c'est minimum entre 70 et 100 et entre 170 et 200 alors tac, ouais on va dire ça ouais. Et ben si vous êtes au début on va péter tatillon 30 et 60 ben, je vous mets la minimale et si vous êtes vraiment vraiment entre 40 entre 50 et que c'est vitesse entre plus de 40 et plus de 60. Et ben là, c'est la maximale en fait. On
concrètement, ouais. Ça, il était sur une limite à 140, il était à 180, il était à 40. Donc, il était à 184. Oui, donc il était à 44 au-dessus. Ouais. Il était à peu près à la moitié aussi. Ouais, il était à 14 de la moitié. Alors, sachant qu'il y a un petit delta de 2 km/h. Oui, enfin, vous, monsieur, vous n'avez pas à rouler vite dans tous les cas, même si vous êtes fatigué. Pour respecter les limitations de vitesse. Ah ah. Mais au-delà de ça, même surtout si vous êtes fatigué, vous êtes propice à un accident en plus. En plus. Bon, bah, je vous laisse vraiment demander pour son excès de vitesse. Moi, je me tire. Bonne journée. Ah, bonne journée. Pour ce que vous l'arrêtez, en fait. Bonne journée. Bonne journée. Ah, bonne journée. Je crois qu'il a pas fouillé la boîte à gants. Hein. Alors, je crois qu'il va falloir pousser votre véhicule, c'est là, on va pousser votre véhicule. Ouais, il va falloir se pousser aussi, c'est là, bah, il va le pousser. Ah, vous n'aurez pas appris de faire accélérer et freiner en même temps? Ça serait bien aussi. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Et merci. Ah, autre question, vous étiez à l'arrêt quand vous m'avez flashé? Oui. Oui. D'accord. Pourquoi ça vous choque que j'étais à l'arrêt? Ah non, non, non. C'est le fait que si vous étiez à l'arrêt, vous avez dû débarrer. Sachant que j'étais déjà en pleine vitesse, je me demande comment vous avez fait pour retrouver mon véhicule en fait. Bah en fait j'ai eu aucune perte de visuel. J'ai eu une perte de visuel à partir de la... à peu près au niveau de l'unicorn. J'ai vu que j'ai continué tout droit, bah après j'ai vu votre véhicule rentrer dans votre quartier. Non, je passe vers où? Je passe vers là. Le unicorn il est où? Très bien, vous allez moins de payer directement monsieur Banach. Oh, attendez, je sais pas, je sais pas quand vous m'avez mis. Parce que vous avez pas des. Ah, mais ça sent. Ouah. Voilà. Très bien, merci. Vous êtes une bonne journée. Une bonne journée, monsieur. Ah, c'est à quel angle de rue le unicorn? Je sais jamais. Pardon? Ah, le unicorn. C'est à quel angle de rue? Ah, ça doit être ça. Non. C'est... Je sais pas où est le unicorn. C'est au niveau de... Oh, c'est ça, peut-être. La station à essence, juste en dessous de la freeway. Station à essence, juste en dessous de la freeway. Là. Ah oui, de l'autre côté de la rue. Ok. Ouais, ok. Ouais, ouais. Pas censé, bonne journée. Ouais. Oh, je marche sur ma voiture, ouais, n'importe quoi. Pas quoi penser en fait. Non, ils sont quand même pas allés tout droit par là. On va pas passer par là, ça va te défoncer la bagnole. Pas fouillé la boîte à gants. Alors c'est drôle parce que il fouille la bagnole mais pas moi. Ça n'a aucun sens leur truc.
Je regarde juste un petit truc. Vite fait. Oh, chiant. Ah, j'aurais dû ranger la bagnole une fois que... Ouais, j'étais là-bas. Jazz classique. À Sabakasa. Oh, même les concitoyens ils fatiguent. Oh, mais je l'ai défoncé la bagnole là. Trop de concitoyens.
Alors, à quoi paraît? Ouais, bah la voiture, je l'avais au réparateur. Pas cadeau juste après. Hein. Ok, pas de soucis.
300 euros, je dois l'emmener chez le Vacado, donc les pièces après, hein. On va faire ça. Avant du coup.
Bon, on va aller au mécano pour réparer la sultan de jazz. Attends, il y a un dernier petit truc que je veux regarder. Vite fait. Ce que je voulais voir, je vais faire réparer la bagnole. Attends, avant d'y aller, il est encore ouvert le garage. Ouais, encore ouvert. Peut-être fermer ça. Attendez, fermer ça. Ok. Ah bonjour. Besoin d'une réparation sur la sultan. Ah ouais, bah ouais, là, allez, on y va. À Marseille.
Il revient avec la voiture. Bon, après ça, je vais faire une petite pause, moi. Une pause goûter. Bon, c'est pas vrai. Mais une petite pause quand même. À Marsaba. Ah, bonne journée à vous et à plus tard. Ah, allez, bon après-midi, à plus tard. À plus tard. Ah bah pas de chance. Ah t'en vas pas? Oui. C'est pas chouette lui. Bah, je ferai peut-être pas de ref, je reviens tout à l'heure. Bah, je crois qu'il s'est pas mis sur la radio, je sais pas. Bizarre, bizarre. Ouais. Touk. Bon, et bah, je vous dis à tout à l'heure. Oui, après la pause.